Je pense qu'on va tout simplement continuer avec la lecture. Je propose la lecture par Guy et Yasmina du texte Les Medel. Alors là, on va en Amérique latine, au Chili. Et son texte, très fort, très beau, très, très militant aussi. Bonsoir à tous. J'aimerais vraiment dire que j'ai eu énormément de plaisir à participer deux fois, en fait, à des numéros d'hétérographes, notamment la première fois à travers un ami poète colombien homosexuel qui est extraordinaire. Et puis cette fois en proposant Pedro Lemebel, qui est un poète chilien et, comme on l'a dit, qui est effectivement quelqu'un de très engagé. Et j'aimerais quand même rajouter que malgré le fait qu'effectivement en Amérique latine, dans certains pays, dans les Caraïbes, il y a quelques pays où c'est encore illégal, il y a une culture populaire qui fait que l'homosexualité fait quand même partie de la vie quotidienne. Et par hasard, j'ai eu la chance de donner un séminaire ce semestre à l'Unité d'Espagnol, et en fait ça n'avait rien à voir, c'était sur les adaptations de romans latino-américains à l'écran, donc au cinéma. Et en fait j'ai fini par choisir des textes qui traitaient tous de l'homosexualité. Et c'était assez fascinant parce qu'en fait il y avait vraiment à chaque fois une recherche de liberté derrière certains personnages clés. Et un des romans dont j'ai parlé, c'est « El beso de la mujer araña », le baiser de la femme araignée de Manuel Puig, qui est quand même un auteur justement qui a beaucoup traité, bien sûr, de l'homosexualité, mais surtout en fait le rapport au pouvoir et finalement ce rapport entre la masculinité qui est au service du pouvoir et de l'armée, des dictatures, de la violence, et puis comment la féminité finalement arrive à se frayer un chemin à travers la créativité. Donc voilà, j'ai vraiment parcouru un petit peu ce sujet sans l'annoncer auparavant à mes étudiants. C'était vraiment assez fascinant, et puis on a découvert aussi plein de documentaires sur des villages entiers qui vivent autour vraiment de la construction sociale autour de l'homosexualité, notamment dans le vaudou haïtien. Voilà, il y a quand même des espaces, mais c'est souvent effectivement une fois de plus la revendication d'espace de liberté dans une lutte contre un pouvoir abusif. Alors Pedro Lemebel, ça c'est un manifeste, donc je vais lire en espagnol le texte, et c'est un très très beau texte puisque c'est « Manifiesto hablo por mi diferencia ». No soy Pasolini pidiendo explicaciones, no soy Ginsberg expulsado de Cuba, no soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz. Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia. Defiendo lo que soy. Y no soy tan raro. Me apesta la injusticia. Y sospecho de esta cueca democrática. Pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia, porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo, por malas costumbres, por mala suerte, como la dictadura. Peor que la dictadura, porque la dictadura pasa y viene la democracia. Y detrásito el socialismo, y entonces, ¿qué harán con nosotros, compañeros? ¿Nos amarrarán de las trenzas en fardos con destino a un sidario cubano? ¿Nos meterán en algún tren de ninguna parte, como en el barco del general Ibáñez, donde aprendimos a nadar, pero ninguno llegó a la costa? Por eso Valparaíso apagó sus luces rojas, por eso las casas de caramba le brindaron una lágrima negra a los colisas comidos por las jaivas. Ese año que la Comisión de Derechos Humanos no recuerda. Por eso, compañero, le pregunto, ¿existe aún el tren siberiano de la propaganda reaccionaria? Ese tren que pasa por sus pupilas cuando mi voz se pone demasiado dulce. ¿Y usted qué hará con ese recuerdo de niños pajeándose y otras cosas en las vacaciones de Cartagena? ¿El futuro será en blanco y negro? ¿El tiempo en noche y día laboral? ¿Sin ambigüedades? ¿No habrá un maricón en alguna esquina desequilibrando el futuro de su hombre nuevo?
¿Van a dejarnos bordar de pájaros las banderas de la patria libre? El fusil se lo dejo a usted, que tiene la sangre fría. Y no es miedo. El miedo se me fue pasando de atajar cuchillos en los sótanos sexuales donde anduve. Y no se sienta agredido si le hablo de estas cosas y le miro el bulto. No soy hipócrita. ¿Acaso las tetas de una mujer no lo hacen bajar la vista? ¿No cree usted que solos en la sierra algo se nos iba a ocurrir? Aunque después me odie por corromper su moral revolucionaria, ¿tiene miedo de que se homosexualice la vida? Y no hablo de meterlo y sacarlo y sacarlo y meterlo solamente. Hablo de ternura, compañero. Usted no sabe cómo cuesta encontrar el amor en estas condiciones. Usted no sabe qué es cargar con esta lepra. La gente guarda las distancias, la gente comprende y dice, es marica, pero escribe bien. Es marica, pero es buen amigo. Súper buena onda. Yo no soy buena onda. Yo acepto al mundo sin pedirle esa buena onda. Pero igual se ríen. Tengo cicatrices de risas en la espalda. ¿Usted cree que pienso con el poto y que el primer parrillazo de la CNI lo iba a soltar todo? No sabe que la hombría nunca la aprendí en los cuarteles. Mi hombría me la enseñó la noche, detrás de un poste. Esa hombría de la que usted se jacta, se la metieron en el regimiento. Un milico asesino. De esos que aún están en el poder. Mi hombría no la recibí del partido, porque me rechazaron con risitas. Muchas veces, mi hombría la aprendí participando, en la dura de esos años, y se rieron de mi voz amariconada, gritando, iba a caer, iba a caer. Y aunque usted grita como hombre, no ha conseguido que se vaya. Mi hombría fue la mordaza, no fue ir al estadio y agarrarme a combos con él por el Colo-Colo. El fútbol es otra homosexualidad tapada, como el box, la política y el vino. Mi hombría fue morderme las burlas, comer rabia para no matar a todo el mundo. Mi hombría es aceptarme diferente, ser cobarde es mucho más duro. Yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero. Y esa es mi venganza. Mi hombría espera paciente que los machos se hagan viejos, porque a estas alturas del partido la izquierda tranza su culo lacio. En el parlamento mi hombría fue difícil, por eso a este tren no me subo, sin saber dónde va. Yo no voy a cambiar por el marxismo que me rechazó tantas veces. No necesito cambiar, soy más subversivo que usted. No voy a cambiar solamente porque los pobres y los ricos a otro perro con ese hueso. Tampoco porque el capitalismo es injusto. En Nueva York los maricas se besan en la calle. Por esa parte, pero esa parte se la dejó a usted, que tanto le interesa. Que la revolución no se pudra del todo. A usted le doy este mensaje. Y no es por mí, yo estoy viejo. Y su utopía es para las generaciones futuras. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota. Y yo quiero que vuelen, compañero. Que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar. On a essayé de faire une traduction. L'idéal serait d'avoir un Justa, hein, mais on n'avait pas la place. Donc on a que la version française dans la revue. Je ne suis pas Pasolini, demandant des explications. Je ne suis pas Ginsberg, expulsé de Cuba. Je ne suis pas un PD déguisé en poète. Je n'ai pas besoin de déguisement. Voici mon visage. Je parle pour ma différence. Je défends ce que je suis. Je ne suis pas tellement bizarre. La justice me saoule et je me méfie de cette couette démocratique. Elle ne me parlait pas du prolétariat parce que pauvre et pédé est encore pire. Il faut être plein d'âpreté pour le supporter. C'est offrir un rodéo au petit mal du coin. C'est un père qui te hait parce que le fils fait des rondes jambes. C'est avoir une mère aux mains tagadées par le chlore, vieillie par le ménage.
te berçant quand tu es malade, suite à de mauvaises habitudes, par malchance, comme la dictature, pire que la dictature. Parce que la dictature passe, et arrive la démocratie, et juste derrière, le socialisme. Et alors, que font-ils de nous, camarades? Est-ce qu'ils nous entortilleront dans des ballots à destination d'un hôpital cubain pour CD1? Ils nous mettront dans quelques trains, de nulle part, comme dans le bateau du général Damiens, où nous apprîmes à nager, et personne n'arriva sur la côte. C'est pourquoi Valparaiso était mis ses lumières rouges. C'est pourquoi les guinguettes offrirent une larme noire aux gais poissons arc-en-ciel dévorés par les crabes. Cette année que la Commission des droits de l'homme ne commémore pas. C'est pourquoi, camarades, je vous le demande, le train sibérien de la propagande réactionnaire existe-t-il encore? Ce train qui passe dans vos pupilles, quand ma voix se fait trop douce. Et vous, que ferez-vous de ce souvenir d'enfance, quand on se branlait et tout le reste, pendant les vacances à Cartagena? Le futur sera-t-il en noir et blanc? Le temps en nuit et jour ouvrable, sans ambiguïté? N'y aura-t-il pas un PD dans un coin quelconque, déséquilibrant le futur de votre homme nouveau? Vont-ils nous laisser broder l'oiseau, les drapeaux de la libre patrie? Le fusil, je vous le laisse à vous, qui avez le sang froid, mais ce n'est pas de la peur. La peur m'a quitté en arrêtant les couteaux dans les caves à sexe où j'allais. Il ne vous sentait pas agressé si je vous parle de ces choses, et si je regarde le paquet. Je ne suis pas hypocrite. Les nichons d'une femme ne vous feront peut-être pas baisser les yeux? Vous ne croyez pas que seul dans la Sierra, une petite idée allait nous venir à l'esprit? Qu'ensuite vous me détestiez, de corrompre votre morale révolutionnaire. Avez-vous peur que la vie s'homosexualise? Et je ne parle pas de la mettre, de la retirer, de la mettre uniquement. Je parle de tendresse, camarade. Vous ne savez pas combien il est difficile de rencontrer l'amour dans ces conditions. Vous ne savez pas ce que c'est que de porter cette lèpre. Les gens gardent leur distance, les gens comprennent et disent « Il est pédé, mais il écrit bien. Il est pédé, mais c'est un bon ami. » Super sympa. Je ne suis pas sympa. J'accepte le monde sans lui demander cette sympathie. Mais peu importe, il rit. J'ai des cicatrices de rire dans le dos. Vous croyez que je pense avec les fesses et qu'au premier cuisinage par le renseignement, j'étais prêt à tout lâcher? Vous ne savez pas que la virilité, je n'ai jamais apprise dans les casernes. Ma virilité, c'est la nuit qui me l'a enseignée. Des rires en pilier. Cette virilité dont vous vous vantez, on vous l'a mise dans le régiment, un bidas assassin de ceux qui sont encore au pouvoir. La virilité, je ne l'ai pas reçue du parti, parce qu'on m'a rejeté avec de petits rires, bien des fois. Ma virilité, je l'ai apprise en participant à la dureté de ces années. Et on s'est moqué de ma voix efféminée, criant « Il va tomber, il va tomber !» Et même si vous criez comme un homme, vous n'avez pas réussi à le faire partir. Ma virilité, ce fut le baillon, ce ne fut pas d'aller au stade et de me battre à coups de poing pour le colo-colo. Le football est une autre forme d'homosexualité cachée, comme la boxe, la politique et le vin. Ma virilité fut d'avaler les moqueries, de bouffer de la rage pour ne pas tuer tout le monde. Ma virilité, c'est de m'accepter différent. Être un lâche est beaucoup plus dur. Je ne tends pas l'autre joue, je tends mon cul, camarade, et ça c'est ma vengeance. Ma virilité attend patiemment que les machos se fassent mieux, parce qu'à ce niveau du parti, la gauche trafique son cul flétri. Au Parlement, ma virilité fut difficile. C'est pourquoi je ne monte pas dans ce train sans savoir où il va. Je ne l'ai pas changé pour le marxisme qui m'a rejeté tellement de fois. Je n'ai pas besoin de changer. Je suis plus subversif que vous. Je ne l'ai pas changé uniquement parce que les pauvres et les riches n'ont pas d'autre avec ça. Et parce que le capitalisme est injuste. À New York, les PD s'en passent dans la rue. Mais cet aspect, je vous le laisse à vous, qui tenez tellement à ce que la révolution ne soit pas complètement pourrie. À vous, je vous adresse ce message. Et ce n'est pas pour moi, je suis vieux, et votre utopie est pour les générations futures. Il y a tant d'enfants qui vont naître avec une petite aile brisée, et je veux qu'ils volent, camarades, que votre révolution leur donne un morceau de ciel rouge pour qu'ils puissent voler. C'est vraiment une auteure majeure. Moi, je connaissais peu avant de la rencontrer finalement dans Hétérographe, qui a aidé à repenser aussi la théorie queer, un nouveau féminisme, et qui a évolué même jusqu'à la fin de sa vie vers un activisme spirituel politique en fait. Donc, c'est vraiment une auteure assez fondamentale dans les années 70, dans les Alpes d'Huez, qui aide aussi finalement à sortir de la dimension binaire, soit les latinos, soit les américains, mais qui est vraiment dans cette culture
Chicanos, Chicanas, c'est très queer par essence, donc c'est vraiment un bel étonnement. Donc, l'imbrication de la langue est fondamentale chez elle, entre l'anglais et l'espagnol va être rendu là par l'espagnol français. On va essayer de. Donc, on n'a pas répété avec Yasmina, mais il y a les caches. Les caches. Donc, tout voilà. Ce qui est espagnol, ce sera pour toi, puis moi je vais glisser le français. Bah voilà, on fait le contraire. Après, on change au milieu du Oui, puis juste peut-être ajouter qu'en fait, avant de proposer Pedro Lemebel, en fait, j'avais proposé Tino Villanueva, qui est justement un écrivain chicano. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que finalement, c'est une écriture toujours qui oscille justement entre le français et l'espagnol, et le choix entre l'anglais et l'espagnol, et en fait, le choix des mots en anglais, le choix des mots en espagnol est vrai, évidemment lié à qu'est-ce que représente l'anglais ou l'espagnol dans la vie quotidienne pour les chicanos. Donc, chouette. Voilà. Donc, c'est moi qui commence. El otro México que acá hemos construido, el espacio es lo que ha sido territorio nacional. Este es el esfuerzo de todos nuestros hermanos y latinoamericanos que han sabido progresar, los Tigres del Norte. L'autre Mexique que nous avons construit ici, cet espace est celui qui a été notre territoire national. C'est là l'effort de tous nos frères et des latino-américains qui ont su aller de l'avant. Los Tigres del Norte est un ensemble de musique conjunto. Ah ok, d'accord. Les Aztecas del Norte constituent la plus importante tribu ou nation isolée d'Anishinaabe, indien, qu'on trouve aujourd'hui aux États-Unis. Certains s'appellent entre eux Chicanos et se considèrent comme le peuple dont la véritable patrie est Aztlán, le sud-ouest des États-Unis. Jack D. Forbes, Azteca del Norte, The Chicanos of Aztlán. Not the bad page. Ici commence le poème de Tansaldo. Vent tiraillant ma manche, pieds s'enfonçant dans le sable. Je suis à la lisière où la terre touche l'océan, où les deux se recouvrent, un léger contact, à d'autres moments et endroits un violent clash. De l'autre côté de la frontière au Mexique, raide silhouette de maisons rongées par les vagues, falaise qui s'effondre dans la mer, vague d'argent marbrée d'écume, creusant un trou sous la clôture de la frontière. Miro el mar atacar la cerca en el Borderfield Park, con sus buchones de agua. Je vois la mer attaquer la clôture à Borderfield Park, avec ses paquets d'eau. Une résurrection pascale du sang brun dans mes veines. Oigo el llorido del mar, el respiro del aire. J'entends les pleurs de la mer, le souffle de l'air. Mon cœur s'enfle au rythme de la mer, dans la brume grise du soleil, le cri strident des mouettes affamées, l'odeur forte de la mer qui m'envahit. Je traverse le trou de la clôture jusque de l'autre côté. Sous mes doigts, je sens le barbelé rugueux, rouillé par 139 années du souffle salé de la mer. Sous le ciel de fer, des enfants mexicains shootent leur ballon de l'autre côté, le poursuivent, entrant aux États-Unis. Je presse ma main contre le rideau de fer, une clôture de treillis coiffée de barbelés, qui ondule depuis la mer, là où Tijuana touche San Diego, se déroulant sur des montagnes, des prairies et des déserts. Ce rideau tortilla se transformant en Rio Grande, coulant vers les plaines de la Magic Valley du Texas du Sud, sa bouche se vidant dans le golfe. Blessure ouverte longue de 1950 milles, divisant un pueblo, une culture, dévalant le long de mon corps, plantant des bornes dans ma chair. Elle me déchire, me raja, me raja. C'est ma maison, ce fin tranchant de barbelés. Mais la peau de la terre n'a pas de couture, la mer ne peut pas être clôturée. El mar ne s'arrête pas aux frontières. Pour montrer à l'homme blanc ce qu'elle pensait de son arrogance, Yemaya a renversé d'un souffle la clôture de barbelés. Cette terre était autrefois mexicaine, elle a toujours été indienne, et elle l'est, elle le sera encore. Yo soy un puente tendido del mundo gabacho al del mojado. Lo pasado me estira para atrás y lo presente para adelante. Que la Virgen de Guadalupe me cuide, ay, 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 soy mexicana de este lado. Je suis un pont tendu du monde gavache,
Les Pyrénées françaises, celui de la frontière avec les États-Unis, le passé me tire en avant et le présent en arrière. Que la Vierge de Guadalupe me protège. Aïe, 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 je suis mexicaine de ce côté-ci. La frontière entre les États-Unis et le Mexique est une herida abierta, où le tiers-monde frotte contre le premier et saigne. Et avant qu'une cicatrice ne se forme, la blessure recommence à saigner. Et du sang de deux mondes naît un troisième pays, une culture de frontières. Les frontières sont établies pour déterminer les endroits qui sont sûrs et ceux qui ne le sont pas, pour faire la différence entre nous et eux. Une frontière est une ligne qui partage une fine bande sur un bord escarpé. Une terre de frontière est un lieu vague, indéfini, créé par le résidu émotionnel d'une limite artificielle. C'est un état de transition continuelle. Ceux qui sont prohibés et interdits sont ses habitants. C'est là que vivent los atravesados, ceux qui louchent, les pervers, les queers, les gênants, les bâtards, les mulâtres, les demi-sangs, les demi-morts. Enfin, tous ceux qui traversent, outrepassent ou repoussent les limites de la normalité. Les gringos du sud-ouest états-uniens considèrent les habitants de la frontière comme des transgresseurs, des étrangers, qu'ils aient ou non des papiers, qu'ils soient chicanos, indiens ou noirs. N'entrez pas, celui qui empiète sera violé, estropié, étranglé, étouffé, exécuté. Les seuls habitants légitimes sont ceux qui détiennent le pouvoir, les blancs, et ceux qui se rangent du côté des blancs. La tension contamine les habitants de la frontière comme un virus. Là règne l'ambiguïté et l'inquiétude, et la mort n'est pas une étrangère. Dans les champs, la migra, la police des frontières, ma tante dit, no corran, ne courez pas, ils vont penser que vous êtes de l'autre, lado. De l'autre côté. Dans la confusion, Pedro se mit à courir, terrorisé à l'idée qu'on l'attrape. Il ne savait pas parler anglais, ne pouvait pas leur dire qu'il était américain de cinquième génération. Sin papeles. Sans papier. Il n'avait pas pris son certificat de naissance avec lui pour aller travailler dans les champs. La migra. L'emporta sous nos yeux. Se lo llevaron. Il essaya de sourire quand il se retourna pour nous regarder, de lever son poing. Mais je vis la honte qui lui faisait baisser la tête, le poids terrible de la honte qui ployait son échine. Ils le déportèrent à Guadalajara, par avion. L'endroit le plus éloigné où il avait été au Mexique était Reynosa, une petite ville frontalière en face de Hidalgo, Texas, pas loin de McAllen. Pedro fit tout le chemin à pied jusqu'à la vallée. Se lo llevaron sin un centavo al pobre, se vino andando desde Guadalajara. Ils l'ont emmené sans un centime, le pauvre, il est revenu à pied depuis Guadalajara. On peut bien sûr, on est là, vous avez vu donc Ipoitri, Sylvain Thévaux, il y a aussi Elena Grusevic, il y a deux membres de la rédaction qui ne sont pas là, c'est Yelena Ristich et Gonzalo Bochu et Eric Devanteri. Sinon on est là, si vous voulez poser des questions là comme ça, sinon on peut aussi boire un verre de vin et puis continuer à converser. Et si vous voulez, il y a des numéros que vous pouvez acheter si vous n'êtes pas abonné. Et aussi des anciens numéros, donc aussi numéro spécial sur l'enfance, plus les numéros, parce que celui-là est le 8e numéro, ce dont on est assez fier. Bravo. Siete potencias, siete colores, siete lunas y siete soles. Cuando tenía siete, me llegó el 70. La calle era un juguete y no nos dábamos cuenta que 10 años más tarde, con los 17, nos dividió el 80 entre el quédate o vete. Y todo por aquello de las dos orillas, y todo por la duda de la sombrilla, porque es que aunque lo traten de esconder, la gente siempre sueña, porque saben que existen siete vidas, siete mares,
siete maravillas y siete ciudades, siete notas musicales, siete cielos y pecados capitales, siete potencias, siete colores, siete lunas y siete soles, siete enanos de Blancanieves, 17 instantes y una primavera y siete amaneceres. Cuando a los 27 se moría mi madre, yo descubrí que el tiempo no fue más que un cobarde. Y aún siguen los abuelos de las dos orillas echándose el anzuelo, la culpa y la semilla. Porque es que aunque lo traten de esconder, la gente siempre sueña porque saben que existen siete vidas, siete mares, siete maravillas y siete ciudades, siete notas musicales, siete cielos y pecados capitales, siete potencias, siete colores, siete lunas y siete soles, siete santos en siete altares, y las iglesias siguen siendo iguales a los bares, que tienen siete vidas, siete mares, siete maravillas y siete ciudades, siete notas musicales, siete cielos y pecados capitales, siete potencias, siete colores, siete lunas y siete soles, siete enanos de Blancanieves, 17 instantes de una primavera y siete amaneceres, siete vidas, siete mares.